Si vous voulez, ça c'est politique. Voilà, regardez, je vous fais un jugement politique. Voilà, par exemple, c'est un jugement de valeur. Vous dites ceci est meilleur que cela. Ça c'est un jugement politique. Hein. Le politique c'est la désignation d'un adversaire. Le culturel c'est l'impossibilité de désigner le moindre adversaire. C'est la réunification de tout le monde dans la grande harmonie et l'équivalence généralisée. Il n'y a plus d'adversaire. Hein. Le politique c'est une société qui décrète l'égalité de l'homme et de la femme est une société meilleure qu'une société qui ne la décrète pas. On peut être pas d'accord, mais c'est ça qui est intéressant. On peut dire non, je suis pas d'accord avec ça, tata. Donc voilà, on peut discuter. C'est un jugement de valeur meilleur que. Maintenant, regardez bien, je vous le fais en culturel. Vous êtes prêts ? Une société qui décrète l'égalité de l'homme et de la femme, c'est un choix d'expression culturelle qui n'a rien à dire à une société qui a un choix d'expression culturelle différent. Par exemple, là, vous pouvez interdire l'excision. Là, vous dites, écoutez, nous, on n'excise pas, eux, ils excisent. Et alors, c'est leur culture, voyez ? Politique culturelle. Bon, voilà, je vous le fais vite, hein, faudrait affiner un peu. C'est limite discutable. Mais voilà, prenez l'idée là-dedans. Et puis, un excellent exemple, de la réduction, de la destruction de politique par du culturel, ben, c'est le bicentenaire de la Révolution française. Des choses les plus honteuses qu'on ait vécues dans ce pays en 89. Dès 87, dès 85, tous les intellectuels du monde entier, les intellectuels progressistes en Afrique, en Amérique du Sud, attendaient le bicentenaire de la Révolution française, avec un espoir. Vous n'imaginez pas ce que c'est que le symbole de la Révolution pour plein de gens dans le monde. Et ils pensaient que Mitterrand allait faire une grande expo universelle où il dénoncerait toutes les dictatures dans le monde. C'est ça qu'ils attendaient. Ils ont été déçus, hein. Donc, au lieu de ça, ils ont eu Jean-Paul Goud, un marchand de lessive, tu vois, qui a fait le défilé de Goud. Une tartouillerie, tu vois, vraiment ridicule, enfin naze, mais rigolote. Je veux dire, moi j'ai été invité hein, dans les tribunes d'honneur, hein, sur les champs. J'avais reçu mon petit carton, il y avait marqué « Faites partie des privilégiés qui assisteront à l'abolition des privilèges mmh. ». On était tous là comme des cons avec notre lampe Areva. Quand tu tiens le culot, elle s'allume toute seule. C'est chouette. Et puis, tu avais le défilé qui s'appelait « Les tribus planétaires ». Et ça, attention, ça c'est le contraire de la Révolution française. C'est la mort de l'universalisme. Chaque nation, chacune, résumée, non pas par son engagement politique, la démocratie, le fascisme, les tyrans, etc., mais par son signe culturel le plus cucu, le plus concours, le plus rigolo. Les noirs sont tout nus et ils tapent sur des tam-tams. Vous n'avez pas vu des noirs mettre des costumes et faire des études, enfin ça saurait, d'accord, bon. Les Anglais sont en kilt et puis ils sont avec des parapluies, avec des jets d'eau parce qu'il pleut tout le temps en Angleterre. J'ai pas vu le char des Belges, mais enfin je peux l'imaginer. Ah oui, il y a quand même le fruit de géant, forcément. Ah oui, les tribus planétaires, c'est le contraire de l'universalisme. Or, la République, la Révolution française, c'est quoi? C'est ce moment absolument insensé où la France de 89 décide, annonce qu'elle ira libérer les peuples opprimés qui en feront la demande. Tranquille. Jean-Noël Jeannet, le grand ordonnateur du bicentenaire, aura cette phrase définitive. La France n'a plus de leçons à donner au reste du monde. Rideau. Fin officielle de la Révolution française. Terminé. On passe à autre chose. La Révolution française, c'est ce moment où un homme s'avance en 1797 au milieu de l'Assemblée nationale et où 400 députés se lèvent en larmes. Tellement l'émotion est forte, et ce type porte un bout de ferraille. La France vient de passer 10 années en pleine guerre européenne à calculer une mesure universelle pour l'offrir à tous les peuples du monde pour qu'ils arrêtent de se faire la guerre. Le mètre, la 40 millionième partie du méridien terrestre. Et donc pour symboliser ça, on va avoir le défilé de Goud, hein, les tribus planétaires et tout ça. Moi, j'ai travaillé 2 ans sur le bicentenaire, je peux vous en parler. Hein. J'ai bossé là-dessus. Ils ont fait un truc incroyable. Ils ont fait une erreur. Il y a une figure qu'ils ont éliminée. Hein. Il y avait un grand absent dans le bicentenaire. Un grand, grand, grand absent. Et alors, ils ont fait une connerie.
ils ont fait un grand questionnaire aux Français qui était un questionnaire ouvert. Au lieu de mettre un QCM, comme d'habitude, où on coche les noms, mais c'est eux qui les choisissent, ils ont dit, voilà, quels sont les 10 Français qui vous paraissent le plus représenter la France. Et là, ils ont pris une grosse baffe. Parce que en 3, donc 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, en 3, c'était Napoléon, en 2, c'était Charles de Gaulle, mais en 1, c'était qui? C'était l'absent du bicentenaire. C'était Robespierre. L'inconscient collectif est plus fort. Nous savons que Robespierre, c'est notre pote. Alors qu'ils ont tout fait pour ne pas parler de lui. La Révolution française, c'est 2 ans. Hein. C'est 1793-1794. Avant et après, c'est une révolution bourgeoise au service des intérêts. Cherchez pas. La fameuse signature interrompue de Robespierre, hein, à la Bibliothèque nationale. R-O-B-E-S est le début d'un P. Parce que quand Couthon, Saint-Just nous disent « Maximilien, le comité de sûreté générale va venir t'arrêter, avec Cambon, cette ordure hein, au comité des finances, d'accord ?» Parce que Robespierre a décrété le maximum du prix du pain, et que lui, ils sont scandalisés qu'on touche au prix, et lui veut décréter le maximum du prix des salaires, ce qu'il va faire. Et donc il décide d'arrêter Robespierre, de le faire sauter. Robespierre, c'est pas lui qui guillotine. Hein. Lui, il est au comité de salut public. C'est le comité de sûreté générale qui guillotine. Hein. Le guillotineur, c'est Danton. Hein. Et donc, je vous raconte ça parce qu'on a le temps ce soir. Mais... Donc ils disent, Robespierre, Maximilien, il faut que tu signes absolument le décret d'arrestation parce qu'ils sont en train de signer le tien. Et donc, il faut que tu envoies la garde nationale pour les arrêter avant et qu'on les liquide avant. Et Robespierre commence à signer le décret et il s'arrête. Il repose la plume. Et il dit, au nom de quoi? Il est crevé, il n'en peut plus. Donc les autres disent, quoi, au nom de quoi? Ils vont te choper. Il faut les choper avant. Et il dit, au nom de quoi? Et ça sera ses derniers mots, il n'en prononcera plus aucun. Jusqu'à l'échafaud, il n'y a rien. Au nom de quoi? Parce que Robespierre a compris que c'est mort. Il a compris que les puissances de l'argent, que c'est une révolution bourgeoise, que tous ces enfoirés de Girondins, enfin bref, le PS de l'époque, quoi. Oui, c'est cette fausse gauche, bah, écoutez toutes les conférences d'Henri Guignard, enfin sur YouTube et tout ça, je veux dire, c'est cette fausse gauche qui se prétend gauche et qui en fait est au service des intérêts de l'argent, quoi. Et donc Robespierre, c'est ça, il laisse tomber l'affaire, il se fait guillotiner, il s'en fout, il crame. Et donc voilà, c'est magnifique, Robespierre, ça c'est extraordinaire, enfin. Et donc le bicentenaire, vous avez le traitement culturel d'un événement politique qui le vide de toute sa signification.